Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous passez un très beau mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette tout simple de poulet au four fait avec des pommes de terre. Pour le poulet, ça c'est un mélange d'ailes et de cuisses que j'ai découpé les cuisses en deux. J'ai lavé et épluché les pommes de terre. On va les couper en fines rondelles. Et pour la marinade, c'est de l'huile d'olive, de la moutarde, du curcuma, du persil, de la ciboulette, du poivre, du bouillon de poule. Et je vais rajouter du ketchup. Ça donne un bon goût et une jolie couleur au poulet. Mettez environ un demi-verre de ketchup, un demi-verre d'huile, une cuillère à soupe de chaque épice, de curcuma, de persil sec, de la ciboulette sec, de la moutarde et du bouillon. On va mélanger le tout. Et on découpe les pommes de terre en fines rondelles. On va les poser sur un plat qui va au four, un plat gratin. Mais si vous n'avez pas de plat gratin, utilisez un plateau, n'importe quel moule qui va au four. Je suis bête, hein? Ben les moules, ils vont tous au four, non? Bref. Donc, on les découpe en fines rondelles. Donc là, je ne sais même pas si je vous ai dit qu'il fallait rajouter aussi du gingembre, de l'ail et des oignons hachés. Donc là, j'ai découpé mes pommes de terre. Je vais mettre un peu de ma marinade. Je vais mélanger un peu. Ensuite, je mets dans mon poulet. Je vide un peu l'eau. Je ne veux même pas laisser mariner un peu. Donc je vais poser le poulet dessus, sur les pommes de terre. Le plateau, il est trop petit. Donc là, c'est bon. Je vais filmer et laisser reposer 30 minutes environ. Je ne vais pas mettre au frais, je laisse comme ça. Il fait quand même un peu trop chaud, je pense que je vais mettre au frais. Je mets la sauce. Je vais rajouter un peu de citron. J'ai oublié, tout petit peu dessus. Et je vais filmer. Si vous n'aimez pas le ketchup, faites rajouter de la sauce tomate. Donc là, c'est bon. On va enfourner pour 45 minutes à 170 degrés. Et on enfourne 45 minutes à 170 degrés. Voilà notre poulet bien doré. Ça a une jolie couleur. J'espère que vous arrivez à bien voir. Parce que là, avec mon trépied, voilà, voilà, voilà.
voilà. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager mes vidéos et ma chaîne. Et à me laisser des commentaires constructifs. Ciao, ciao. Bon Ramadan, tout le monde est massif, tout le monde. Voilà, voilà. À la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Babou, viens goûter un peu pour voir.